Haïti Foot TV, bonsoir et bonjour. Ça va dépendre de qui côté nous y est. Nous connaissons pas déjà, c'est coach Jazz Dossier Jean-Marie. Bien content ça m'avo et qu'on est depuis nous sous plateau, c'est que nous allons jouer football. Jouer football, ça que nous allons présenter là, son joueur. Nous allons voir passer de présentation, mais son joueur football qui tellement joué en pile ni pour club ni pour sélection. Ou dans le monde qui est, nous allons dire qui est à l'air. Et c'est Bouini Pierre Richard. Aujourd'hui, les gens sont bien forts parce que les gens sont qui passent de présentation de tout ça fait le football haïtien. Mais il était bon, je n'ai pas besoin de retourner tout à l'heure. And it's his yes! In extra time, dramatic end to that Haiti and score and equalize. Unbelievable stuff here from Haiti. Amis téléspectateurs Haïti Foot TV, nous retournons après pause là. Jean nous t'ai annoncé là. Nous gagnons ensemble avec nous sous plateau. Bruni Pierre Richard qui n'a pas gardé là. Un gros poisson nommé nous là. Jean nous remédia. Nous connaissons Haïti Foot TV, c'est pas nous toutes que liés. Avec nous, Jean nous Julia, Bruni Pierre Richard. Nabdi, bonsoir. Bonsoir, capitaine Bruni Pierre Richard. Bonsoir, Ejaz. Et bonsoir, tous téléspectateurs, téléspectatrices et télévision et Haïti Foot TV. Et nous saluons Mento et nous saluons Frère Jean-Bernard et nous saluons Chobi, tout le monde qui est sur le plateau qui a regardé nous. Et vraiment, et nous là, nous sommes dans le cas là. Et il y a cherché notre temps vraiment pour mon poisson. Mais il y a aussi qu'un peu moins. Et nous présents et dans le Shoah, nous sommes parler surtout de football. Ben, je dis effectivement, nous avons cherché longtemps, mais c'est pour l'autre poisson et pour un petit poisson particulier. Nous avons un gros poisson qui est bien mais nous là, il va pour gros seigneur, t'es Bruni. Non, nous disons ça. Et dans le sens que qualité, jouer football ça, avec un gros carrière ça, nous allons gagner pour nous parler de football ensemble avec Bruni. Mais avant que nous commencions à parler de vous-même, et sélection nationale, la Ligue joue un match amical ensemble avec l'Argentine. Ou jouer contre l'Argentine déjà, et je pense que c'était en 2010 où tu es capitaine sélection. Mais son bagage qui récemment là, il y a un paquet de bagage qui a publié de haut sous photo que monsieur a fait. Est-ce que ça t'est passé même genre en 2010 lorsque groupe sont à côté capitaine là t'es arrivé même bagarre là avant match là nous gagne des séries de joueurs nous tapé des gardés que public là lui même il va accepter bon et ça c'est un gros dossier Jazz et jouer contre des vedettes que ou pas ou habitué ou une TV que ou habitué face à face avec eux donc moi même pas de comme ça et groupe pas même pas de comme ça parce que en jouant que dans match de jouer contre sélection en 2010 et la quarantaine, pas de gain vedette ça aussi, ou tout qui était là, parce que c'est pas ton date FIFA. C'était équipe Diego Armando Maradona, et qui était Palermo à l'époque, qui était des autres joueurs, mais qui parle même avec une sélection ça qui a le joueur. Moi, une qualité que je vais avoir avec ça, c'est parce que, et imaginons que nous prenons des professionnels, et des joueurs ou des cadres professionnels, qui viennent garder et qui a le joueur match football. Donc, si vous tombez, quel que soit le joueur lié, même en Espagne ou pas, et tout le monde a besoin de Mario Messi. Et donc, monsieur a besoin de Mario Messi 7. Et donc, maintenant, sa façon pour jouer pour la sélection nationale, ce n'est pas la façon que vous jouez pour moi-même. Donc, il y a un peu de critique, il y a un peu de parler. Donc, changer Mario, bien fait, et joindre Mario Vedette là, parce que c'est dans le monde là, tout le monde a besoin de Mario Vedette. Oui, je pense que ça, effectivement, parce que la difficile que pour les gars jouer avec un superstar, on veut d'être pour Lionel Messi, pour pas besoin, mais avant le match, nous avons senti qu'il y a quelques photos qui te prennent. Parce que tu as une pile caméra qui te branché sous monsieur, yo, mais réellement, yo même yo pas pensé si la caméra t'a branché sous yo comme ça, il y aurait que avant le match, monsieur a pédé garder et capitaine Messi. Certainement, c'était ça qui était étonnant pour tout le monde, parce que lors du match de football comme ça, tout, moi-même, je n'ai pas regardé le match de football là, c'est tout. C'était bien sport de regarder. Donc, tout le monde est focus sur le match de football. Là. Et là, on pense qu'il n'y a pas de regarder les caméras qui sont spécialement pour ça. Et là, on pense qu'il n'y a pas de regarder. Donc, tout le monde regarde les bagages là. Il y a que tout le monde regarde Messi. Donc, il y a un match qui a joué pour nous-mêmes. C'est très important pour Haïti jouer des gens de match de football. Ce n'est pas seulement contre l'Argentine, mais contre diverses équipes de football et à travers le pays, à travers le monde. Là. Pour être capable de jouer des matchs à eux et pour plus ou moins, les que Haïti va jouer dans l'éliminatoire Coupe du Monde, les en face aux États-Unis, Costa Rica ou et Canada, pour nous pas étonner devant l'équipe, pour nous pas avoir pression, pour nous capable de jouer ce que nous avons besoin, surtout moins qualifié, même gens qui sont pas normalement qualifiés.
Bon, ça, on a bien pour nous retourner, parce que dans la zone, soit on a parlé là, de Costa Rica, on a bien pour nous retourner sur ça. Mais, Bruni Pierre-Richard, moi-même personnellement, mon côté, je ne peux pas manger mon côté pour commencer ensemble avec vous. Mais comme nous, on est à Haïti, je suis obligé de parler de ça, parce que si on est qui, puis, c'est joueur football qui joue plus fois pour Haïti. Combien de fois même on joue pour sélection haïtienne? On va raconter même. Ah non, 120 sélections ou 130 parce que nous avons pile. De 96 à 2011, ça va nous en pile. Et nous avons pile Gold Cup et nous jouons éliminatoire Coupe du Monde. Et nous jouons en pile et Diesel Cup tout. Donc et des matchs amicaux tout. Et pour Haïti, donc nous jouons en pile pour Haïti. Et mais donc on va compter exactement parce que vous connaissez. Et au niveau du palmarès et au niveau du bureau fédéral, là, et dans le pays, a même directement, pas gain ça. Archive, voilà. Parce qu'on jouait en Koubouni, là, ça supposé gagner dans la tête. Parce que dans le match qui a joué là, il y a un montre que Mascherano, qui jouait 143 fois pour la sélection d'Argentine de football, je pense que le dernier match qui a joué pour la sélection haïtienne, il a supposé faire un bagage comme ça pour le même genre, que ça t'a prêté gravé dans la mémoire pour la quantité de fois que vous jouez pour sélection haïtienne. Non. Mais ça lui-même il vient pas arriver fait parce que Kounia là n'a parlé avec une légende comme ça. Il cac maintenant il 120 à 130 mais réellement il pas connaît. Ou pas connaît qui jouait qui dehors qui jouait plus match ou bien moins match que ou même mais qui dehors. Donc on va penser avec joueur qui dehors qui joue plus match et de moins que cette année 74. Moins 74. Bouini gen anpil moun ki konnen un gros carrière fait à Don Bosco de Pétionville ki ou fait mais gen anpil moun gen des moun m'a parlé de ou même yo pa jam konnen sou te passé l'autre club et m'pa konn si mémoire m'fait un défaut m'bral di li moi mon gen droit di non parce que ASPV et l'association sportive de Pétionville ensemble avec nous konnen te joué dans Joe Public qui Trinidad que ou te font coupe passer la dernière. C'est quoi l'autre équipe encore te joué et équipe en club soit Saint-Louis. Et c'est pas 4 ça. C'est exactement 4 clubs ça. Okay. Avant Don Bosco, c'était club soit Saint-Louis, c'est club formateur moins et club qui toujours dirigé par Evangelist Couvert et ancien ministre des sports et maintenant qui gagne Jean-Paul Direct. Alors nous changeons et nous changeons fusil de Polto et maintenant tout avant les capitaines et c'est entraîneur mieux tout entraîneur équipe là parce que c'est moi qui est avec et coach et club sportif Saint-Louis après et club sportif Saint-Louis et nous allons à Don Bosco et pendant que nous allons à Don Bosco nous quittons Don Bosco nous allons jouer nous allons faire un an en saison et dans ASPV de Pétionville et immédiatement que nous finissons jouer pour ASPV de Pétionville nous allons à Don Bosco de 92 à 2011, nous fait exactement dans Don Bosco. Celle coupe qui a gagné, c'était en 2010. Et excuse-moi, c'est pas en 2010, c'était 2000. Qui était 2000 en aller, nous fait 2000-2001 dans Joe Public Football Club dans la Côte Trinidad. Et retournez-nous en 2002, nous jouons encore pour Don Bosco de Pétionville jusqu'à fin carrière nous et dans le championnat national. Alors, et ça m'a dit là, il faut que chita avec joueur. Moi-même, l'aime de chita avec joueur avant. C'est capitaine moi et c'est capitaine moi lié Bruni Pierre-Richard qui tout gros carrière me fait dans Don Bosco, c'est le même qui capitaine et équipe Don Bosco a m'pa gien rien qui m'pa connaît mais l'en a pas ensemble avec joueur fort nous fort connaît que c'est pas seulement équipe Don Bosco que lui même il était passé Haïti Foot TV était branché n'a prend pause n'a retourner tout à l'heure parce que Bruni nous gien pile parole pour nous parler ensemble avec lui. Has put Haiti ahead in the 18th minute. What and Haiti, goal. What a goal through the center, spanked it home. They never stop pulling something else out of the bag. What about the quality of the look of the young lady? Nous retournons après pause là, nous Jean-Louis Anosolia, nous bien ensemble avec nous là. Bruni Pierre-Richard qui sous plateau là, capitaine Bruni. Ayo ba mission tin dans le football là, le pasteur parce que toutes les messieurs d'après football, monsieur toujours Jusqu'à présent, toujours dans l'affaire l'évangile. Oui. Parce qu'on ne peut pas calaguer ça. Même que on est un coup Fleurial, je ne suis pas d'accord. Bon, Fleurial, il y a un schéma pour aller. Et juste pour nous jouer, Fleurial et je ne suis pas là. Nous avons Bruni Pierre-Richard qui est ensemble avec nous là, qui nous connaît que par rapport avec la sélection nationale là, et par rapport avec le club qui est passé, il jouait dans 4 clubs en Haïti, club Sportif Saint-Louis,
ensemble avec l'équipe Don Bosco en premier temps, ASPG il retourne en équipe Don Bosco, Joe Public il quitte Joe Public, il retourne en dedans équipe Don Bosco, mais depuis là il va jamais changer club encore. Dans quatre clubs ça yo, c'est dans Don Bosco fait plus temps. Oui, c'est dans Don Bosco de 91 à 2011. De 91 à 2011, c'est le coupier qui a gagné en 2000. Coupier en 2000. Là, il fait une équipe Joe Public là. Football là, l'autre bois, il est pas en professionnel, mais c'est semi-professionnel qu'il y a. C'est semi-professionnel, d'aller surtout pour qu'on était capable de faire une sorte de stage de professionnel. On dit qu'on a acquis les mouvières et des bonnes expériences. Et comme quoi, on a payé nous, c'était à peu près 1000 dollars. 1000 dollars américains. 1000 dollars américains, on a pris 250 dollars comme taxe. Et la seule chose, nous avons droit avec madame nous. Et l'autre bois. Et ça qui t'a pas dérangé, l'autre bois, c'est parce que après 3 mois de performance, nous te jouons des contacts pour nous jouer en Angleterre. Et ça n'a pas arrivé fait par rapport avec nous des problèmes d'argent. Et nous te jouons des contacts pour nous jouer dans MLS, là, dans E-League. Là. Et toujours c'est des problèmes d'argent. Je me souviens que sur Hugo Castelli en 2002. Les meilleurs joueurs pour Haïti, et il y a 18 qui ont été faits après et Gol Kepla. Et immédiatement, qui a cherché contact, moi, je n'ai pas capable de contacter moi. Et ça, c'était notre rôle dans DC United. Et je n'ai pas capable de contacter moi, nous perdons contre ça. Et dans E-League, dans Pittsburgh Riverhounds, nous avons gagné dans E-League, nous avons gagné pour le retour. Pour un contrat 3 ans. Mais ça, c'est moi qui ai dit que je ne vais pas aller parce que le secrétaire général et Joe Public ont voulu vendre moi avec Pittsburgh. Sans que le dirigeant Don Bosco va au courant. Et à l'époque, c'était Pierre-André Miville, Dimitou, qui était responsable de Don Bosco. C'était un prêt qui était fait avec Radio Public pour 1 an. Donc, puisque je viens de contrat, je dis à ce que monsieur parlait avec le président Mitou. Monsieur dit non, je ne vais pas parler à président Mitou. Je dis monsieur, si vous ne pouvez pas parler à président Mitou, je ne vais pas jouer. Et je ne vais pas signer un contrat non plus. Donc, ça a été. De par là, monsieur des amis en pile et dans l'équipe là. Ça devient fait que monsieur va parler avec jusqu'à ce que le contrat fini et de quitter et Joe Public nous donner Haïti. Et est-ce que c'est une embarque qui faut tourner Haïti plus tout? Oui, ça c'est une embarque qui fait que nous donner Haïti plus. Et puis, vient joindre que, et puisque je rate des contrats en Angleterre ou aux États-Unis, je vais aller, et je dis comme ça que je vais me donner le pays, je vais me donner et me donner à l'Europe et Don Bosco. Je finis une carrière dans le Bosco. Quelle carrière ça vous fait dans le football là? Vous passez en pile entraîneur, un paquet de générations, n'importe 2 à 3 générations, jouer football ou jouer ensemble avec vous. L'entraîneur qui vous passez avec, son question à 2 volets que lié, entraîneur qui vous passez avec, joueur qui vous passez, qui joueur qui était plus marqué pendant que vous ensemble avec lui et qui entraîneur qui vous sentit que l'entraîneur ça, il était fort pour progresser plus? Bon, et en termes de progression, et nous passons des entraîneurs et on dit que bon côté haïtien. Et nous passons Don Akeli qui met Toto Calix. C'était des Capois. Et monsieur Sayo, c'était nègre de caractère. Et troisième nègre, c'était Sanche Pierre, homme de caractère aussi. Donc, et puis, et c'est une traversée dans l'étranger que nous prenons. Nous avons 2 qui marquaient nous. Et c'était Hugo Castelli. En 2002. Et puis nous avons Luis Garcia Amelio qui était là, côté que nous avons champion dans la Côte Trinidad, dans la Digicel Cup. Et donc, deuxième volet, c'est un joueur qui marque moins. Joueur qui marque moins, c'est en pile génération. Donc, on est en coup Carlo Maslin, donc on Wilfried Montilla, c'est Di César, et Goldman Pierre. Et nous avons depuis après, c'est Goldman Pierre, parce que c'est un qui a un tempérament. À part, et donc, qui était bon caractère tout. Et donc, en un génie, là, pour on est dans le Brunel Fissien, Brunel Chéri, et José Maya, et puis Stéphane Guillaume, ça, c'était des joueurs, et qui me déroulent en pile, j'aime d'abord avec eux, et surtout côté eux. Et joueurs dans l'ensemble, moi-même, qui vraiment marqué comme défenseur central, et je joue avec eux, il y avait près 4 joueurs, et Di César, Enzo Lorenz, et puis Jean-Roland Actic Dave. Et puis Gilbert Jean-Baptiste, et nous te jouons ensemble dans le Gold Cup 2002. Et là, par les 2 générations, ça, ou une génération fait succès avec au niveau sélection nationale. Là, on remporte le Coupe Caribéen en 2007. Est-ce qu'on a une préférence pour Nex, à part avec l'autre monsieur Sordio, là, qui n'a pas remporté
en y avait au niveau sélection nationale. Bon, monsieur qui nous fait et nous remporter exactement et 17 cup là à la Coupe Trinidad avec yo des jeunes tant que nèg zo cité là yo. Et il fait garder yo donc tout nèg ça yo en dit que c'est une génération et puis nous tenons une situation les que nous t'a qualifié et à 1 point sur 9 et dans la Coupe Martinique. Pendant que nous tenons pour de l'autre équipe, soit Martinique ou Cuba, et qui n'est pas de premier nous, mais qui était calé nous par rapport avec et pas de cramp pour visser. Et parce que zone Zayo, c'était zone et la pluie tombait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et donc la compétition, et nous pas de cramp pour visser, c'était cramp pour mouler que nous avons. Qui fait que Cuba bat nous 2-1, Martinique bat nous 1-0. Et puis nous venons joindre et nous qualifier sur la troisième équipe là. Et Bermude, qui fait que nous venons jouer match de barrage. Nous avons gagné un match de barrage contre Saint-Domingue. Et puis et Saint-Domingue devait désister. Nous jouons deux matchs de barrage avec aller-retour avec Babat. Maintenant, nous décalons tous les deux matchs. Nous devons qualifier pour la troisième phase. Là. Et concentration ou motivation que nous avons gagné, surtout avec un entraîneur Luis Garcia Amilio et jeune garçon Sayo. C'est qu'elle nous était déterminée jusqu'à ce que nous ayons un slogan. Nous crions déjà, nous ne pouvons pas crier encore. Bon. Et c'est ça qui fait que nous devons remporter et nous champions et dire cette cup là. L'autre génération avant, nous avons pris un Isaac Chauvin, nous avons pris un Robert Dédin, et nous avons pris un Fasio, nous avons pris Fleurial Jean-Bernard, nous avons pris un Daniel et Jean-Jacques Pierre. Et donc, nous avons divers autres joueurs. Et nous avons joué contre Yotou, Osmo Pierre et Gabriel Michel de Tigana, bien qu'elle devine font on passe dans le Bosco. Ouais. Et Jean-Yves Mélé là, c'est donc dans tout l'exemple. Maintenant, génération ça, nous-mêmes, monsieur, ça n'a pas de chance de joindre ça, monsieur, de nous jouer à joindre dans le football là. Pendant que le football là, il y a une activité capable de dire qu'il y a l'argent qui a rentré là-dedans, qui a un business, mais chance pour. Monsieur Sayo, nous n'avons pas de chance de joindre ça, monsieur, de nous jouer, joindre pendant que vous avez la reine à jouer. Où jouez en pile éliminatoire pour la sélection haïtienne? Il a commencé depuis en 96 ou en 93. Mais où, Haïti n'a pas participé, mais où toujours là. En 2006, dans l'éliminatoire Coupe du Monde en 2006, coach Claude Jote et Kato, le fait que tu es choisi pour jouer Madame Gougous, l'ovini lié Kato de sélection. Parlez-nous de ce qui de ça. Bon, et ça c'est un vrai qui est passé parce que en termes de football, équipe pas de paix et qui était dans Madame Gougous là, M. Sao est dirigé avec Juno et tout. Et c'était une année qui était venu chercher depuis en 2003 et avec donc, et Gabriel Michel et Pégué Jean-Philippe, nous devons venir jouer pour l'équipe ça. Bon, par qui a gagné, moi me dit entraîneur Claire, c'est pas Claudio, et Claudio était préparateur physique, c'était Clavio. Clavio, oui, Clavio. Et américain d'origine, Igwe. Donc, ça qui était passé, je me dit, et coach à Claire, que il n'y a pas de jouer et championnat de Gougoustan, moi me dit, Claire, depuis avant qu'il me ait tourné à Haïti. Moi-même, je suis tourné venir jouer pour Port de Paix parce que Port de Paix, c'est un club préféré qui est lié, tant pour mon équipe, tant pour Don Bosco. Donc, je suis sous le régime par rapport à ce qui était payé ticket. Et si c'est ticket que nous payons qui fait que nous disons pas jouer pour Port de Paix, je suis tourné à Haïti et puis je suis fait ticket et puis je suis tourné venir jouer. En parlant de dirigeants. En parlant de dirigeants. Donc, effectivement, je suis tourné à Haïti. Et il était quitté Carlo Massé à l'époque, qui était assistant Clavio, et pour veiller joueur, qui a venu jouer et championnat Manon Gougousse. Donc, moi, je dis, monsieur, il fait Ikea, et puis il fait Ikea, et immédiatement, il fait Ikea, et puis il me tourne, et puis il me joue contre une équipe qui était dans Polio. Et chance pour moi, il devait venir pour Carlo, qui était à veiller. On connaît, et puis il m'a fait un gol tête, et puis il m'a dit, Carlo, il m'a dit, Clavio. Donc, c'est pour ça qu'il était quitté pour regarder jouer comme vous. Donc, nous va étonner, l'équipe a été venue battre 4-1. Et puis, moi, je me tourne.
Ça qui est venu passer, c'est pas éliminatoire que tu as joué, non? Tu as joué la Caïgoué en match amical. Mm-hmm. Maintenant, il y a eu 4 de groupe là. Et il a dit, mais il va pouvoir y avoir. Je vais inquiéter de ça. Donc, imaginons que moi-même, à l'époque, nous étions réticents parce qu'après, ça qui est venu passer au niveau politique dans le pays. Mm-hmm. Et la sélection était plus basée et aux États-Unis. Mais maintenant, qu'on y a là, immédiatement que tu viens faire ça, je vais dire, hein, maintenant qu'on y a là, chaque coup, il y a qu'on est aux États-Unis, en Haïti. Chaque coup, qu'on est en Haïti, mais aux États-Unis. Et puis, il y a les dit contre les Goué, il y a un match d'avoir joué contre Guatemala. Il y a là, qui a été mis à jouer comme central, c'était Peter Germain. Et donc, à l'époque, oui. Mm-hmm. Et puis, il y a eu des Goué, il y a eu besoin de M. Moun qui d'avoir le fait, heureusement qu'il y a eu, parce qu'il n'y a pas qu'à une contact, moi, ni ici, ni Haïti. C'était. Et Patrick Fab. Donc, Léo m'a dit Patrick Fab, est-ce qu'il va pas jouer une nouvelle Isao? Il y a les Patrick Rélim dans Haïti. Il me dit Patrick, il m'a gagné qui m'a venu parce que je me bats gagné avec Negio, c'est Negio qui décide de prendre une décision. Et d'autant plus, je te dis aux sanctionnés, sanctions au pays d'Haïti, on ne parle verbalement, on ne parle pas de qui ça que vous voulez dire. Parce que vos sanctions, on ne parle pas de sanctions. Si c'est pour 15 jours, 1 mois, si c'est pour 2 matchs, 3 matchs que vous avez raté, je suis capable de dire que y a une bonne sanction. Si son papier écrit que après 2 mois, 3 mois, ou pas capable de vivre dans la sélection. Ok. Donc, quand je vais verbal, je vais dire que je suis en sanction. Je n'ai pas de problème avec la sanction parce que moi, l'MD, je vais toujours dire ça. L'MD, je vais pouvoir des paix, je vais sortir avec $800,000 américains. Et tandis que par mois, que je vais payer une bonne enquête stable, c'est des $400 que je vais payer qui est sous compte. On ne comprend rien qui est ici. Mais est-ce que ça t'a dit que tu préféré te jouer madame Gougous là par rapport avec sélection pour peut-être l'argent ça? Bon, moi même par rapport à performance, moi même connais que moi même joué, c'est pas moi qui t'a fait faveur ou bien ou pas, il dit que immédiatement que moi connais que il y a un problème, il a toujours venir. Mais d'autant plus performance me devine by que chaque fois il y a un problème avec la sélection nationale là, bah un blessé, bah un problème, ça devine rendre compte que public là en général, on a demandé pour venir. Amis téléspectateurs, il y a un pile bagaille, oui, nous voulons parler, hein. J'en fais regarder le médecin, nous, il y a un bagaille, monsieur, il y a un bagaille. N'a pas proposé, n'a pas retourné tout à l'heure, nous, ensemble avec nous là, Capitaine Bruni Pierre-Richard Baradi, ancien Capitaine Basel, toujours été Capitaine moi pour la vie. N'a pas proposé, allez, nous retourner, n'a toujours ensemble avec nous sur plateau, Capitaine Bruni Pierre-Richard. Arrêtez-moi, je n'ai pas retourné tout à l'heure.